Bonjour, je m'appelle Mylène Mancini, je suis énergéticienne. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans un groupe de presse. Pendant toutes ces années, on m'a fait confiance, les RH ont entendu à plusieurs reprises mes envies de changement, de mouvement, et ils m'ont suivie. C'était plutôt chouette, donc les RH sont la plupart du temps très au fait de ce qu'on peut demander quand on le demande avec le cœur et une certaine ambition. Après toutes ces années passées dans ce groupe-là, j'ai ressenti pendant quelques temps qu'il était peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Mes propres envies se sont imposées à moi. J'ai proposé à ma société de la quitter pour pouvoir faire un de mes rêves, à savoir ce que je fais aujourd'hui dans l'énergie. C'est le message que je pourrais passer aujourd'hui à tous ceux qui veulent faire une reconversion ou tout simplement créer leur propre métier ou même suivre une nouvelle voie. Ne vous laissez pas en fait influencer par juste un mental un petit peu trop fort qui aurait envie de dire il faut ou on doit, alors qu'il suffit simplement de suivre son cœur, sa voix, son envie. Et s'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, faites-le, vivez vos rêves en fait, parce que très sincèrement, quand on veut quelque chose, franchement, on peut l'obtenir. Il suffit simplement de le vouloir. Et ensuite, entourez-vous de toutes ces personnes, tous ces organismes qui ont plein de solutions pour vous. Et si votre cœur vous en dit, si vous sentez vraiment que vous avez la possibilité d'aller à tel endroit et que ça vous appelle, alors n'hésitez plus, faites-le et vous ne serez pas déçus.